Bonsoir à vous, fidèles téléspectateurs. Bienvenue dans cette édition d'information au sommaire. Rentrée scolaire 2024-2025, le ministre Jean-Paul Sédhi détaille les préparatifs et enjeux pour une éducation équitable. La Guinée au cœur de la 52e session de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique, 37 condamnés à mort au Congo, dont 3 Américains pour tentative de coup d'État. À l'international, la Russie expulse 6 diplomates britanniques. Londres refute les accusations d'espionnage. Voilà, c'était les titres, les détails dans un instant. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Je vous l'annonçais dans les titres. Le ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation, Jean-Paul Sédhi, était l'invité de l'émission Focus sur les actions du gouvernement guinéen. Au cours de cet entretien avec la cellule de communication du gouvernement, il a mis en lumière les mesures prises pour une rentrée scolaire réussie. Suivez. Je vous remercie déjà de m'inviter à votre émission qui parle des actions du gouvernement. Et effectivement, le lancement d'une rentrée scolaire est une action gouvernementale. Une année scolaire, c'est 12 mois, donc 3 de congés et 9 d'enseignement. Et c'est pour revenir à cette norme académique que nous commençons à revenir vers la norme de ces 9 mois d'études et de ces 3 mois de vacances. Il faut aussi savoir que une des raisons qui nous pousse à cela, puisque c'est toujours la qualification de l'enseignement, c'est que surtout pour les petites classes, 4 mois d'interruption de cours, c'est presque revenir à remettre en cause toute l'année scolaire. Il y a des missions qui sont confiées au ministère de l'Éducation nationale, donc par exemple l'inclusion dans l'éducation, l'accès à une éducation inclusive pour tous les élèves et une qualification, une qualité de l'enseignement dispensé. Conakry a été le centre d'une rencontre de haut niveau du 9 au 12 septembre 2024, accueillant la 52e session des réunions statutaires de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Ces 5 jours de discussion ont rassemblé des experts et représentants des 6 pays membres dans le but de renforcer l'intégration économique et monétaire dans la sous-région. Naïcha Sissé pour les détails. Les travaux de la 52e section des réunions statutaires de la zone monétaire de l'Afrique de l'Ouest se sont achevés à Conakry le vendredi 13 septembre 2024. Organisée sous l'égide du Premier ministre guinéen, Amadou Ouriba, cette rencontre a permis aux experts des 6 membres Gambie, Guinée, Ghana, Libéria, Nigeria et Sierra Leone de discuter des questions cruciales liées à la convergence macroéconomique, à l'intégration commerciale, à la coopération monétaire et à la stabilité des secteurs financiers. Honorable membre du Conseil de convergence, je suis donc heureuse de prendre note des propositions formulées par le comité technique de la ZMAO, notamment en ce qui concerne la mitigation des effets de la répercussion des taux de change et du déficit budgétaire sur l'inflation dans les pays de la ZMAO. En votre qualité de membre du Conseil de convergence, vous avez en charge le pilotage de la gestion économique et financière de nos États. Il vous appartient donc d'activer les leviers qui permettront d'inverser les tendances de contre-performance de nos économies par des politiques, mesures et actions efficientes. Au cours de la cérémonie de clôture, le commissaire de la CEDEAO, Mansagué Touré, a souligné l'engagement constant de la Guinée dans les programmes de coopération monétaire. De son côté, le ministre guinéen de l'économie et des finances, Morane Souma, a mis en lumière les projets accomplis, notamment avec l'élection des gouverneurs de la Banque centrale de Guinée. Directeur Karamo Kaba à la tête du comité des gouverneurs de la ZMAO. Il a aussi évoqué des défis qui demeurent pour respecter les critères de convergence. Le premier ministre guinéen Amadou Ouriba a rappelé les obstacles qui ont retardé l'instauration d'une monnaie unique dans le sous-région depuis près de 30 ans. Des années 2000, d'autres problématiques ont été aussi enregistrées. En d'autres termes, ce que je veux dire,
Nous avons beaucoup d'efforts à faire. Et la question monétaire, c'est une question qui est tout à fait très objective. Ce n'est pas une question de sentiment, donc d'émotion. C'est du concret, parce que ça reflète exactement, en d'autres termes, la situation de nos économies. Et nos économies, malheureusement, souffrent de beaucoup de déficits. Par conséquent, si la volonté politique est effective, en d'autres termes, nous voulons une zone économique unique au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Cependant, sous le leadership de général Mamadi Doumbouya, il estimait que la Guinée est sur une nouvelle voie, marquée par le programme de référence intérimaire Prime 2022-2025 qui a permis une croissance économique notable. Le pays projette un pot de croissance de 7,8% en 2024 et 8,1% en 2025. À l'issue de cette session, Morana Souma a été élu président du Conseil de convergence de la ZAMAO, un rôle crucial pour guider les prochaines étapes de l'intégration régionale. En Afrique, le tribunal militaire congolais a prononcé vendredi une sentence capitale contre 37 individus, dont 3 ressortissants américains reconnus coupables de tentatives de coup d'État. Mohamed Salematoussila. Vendredi, un tribunal militaire de la République démocratique du Congo a condamné à mort 37 personnes, parmi lesquelles se trouvent 3 Américains suite à leur implication dans une tentative de coup d'État contre le gouvernement en place. Les condamnés ont été jugés pour leur rôle présumé dans un complot visant à renverser le régime du président Félix Tshisekedi. Cette décision judiciaire intervient dans un contexte de tensions croissantes et de méfiance accrue envers les éléments perçus comme menaçants pour la stabilité du pays. Les 3 Américains, dont les identités n'ont pas été immédiatement révélées, étaient accusés d'avoir orchestré des opérations subversives avec des complices locaux. Selon le tribunal, leur implication dans cette affaire a suscité une réaction internationale, certains observateurs exprimant leur inquiétude quant à la transparence et à l'équité du procès. Les autorités congolaises ont justifié ces condamnations comme une mesure nécessaire pour protéger l'intégrité de l'État et prévenir des menaces potentielles à la paix et à la stabilité du pays. Les familles des condamnés ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme critiquent vivement cette décision, qualifiant le procès de politique et appelant à une révision de la sentence. Cette affaire met en lumière défis politiques et sécuritaires auxquels la République démocratique du Congo est confrontée, alors que le pays continue de lutter pour maintenir l'ordre et la paix dans une région marquée par des conflits armés et des instabilités persistantes. Toujours en Afrique, le président des Comores, Azali Assoumani, a été victime d'une attaque à l'arme blanche ce vendredi 13 septembre 2024, alors qu'il assistait aux funérailles d'un éminent cheikh du pays à Salimani, en périphérie de Moroni. L'incident, rapidement maîtrisé par les forces de sécurité, a laissé le président avec des blessures mineures. Suivez les détails. Le vendredi 13, une journée de deuil national a été marquée par une attaque contre le président comorien Azali Assoumani à Salimani, près de la capitale Moroni. Alors qu'il participait à des funérailles, le président a été légèrement blessé à l'arme blanche, selon une déclaration officielle de la présidence.
L'agresseur a rapidement été appréhendé par les forces de sécurité présentes sur les lieux. Cependant, le procureur de la République de Moroni a annoncé ce samedi 14 septembre que l'assaillant est décédé en détention, un développement entouré de zones d'ombre. Les autorités n'ont pas encore éclairci les circonstances exactes de cette mort, suscitant des interrogations. Le président Assoumani, dont les blessures sont jugées non graves, a été pris en charge immédiatement après l'incident et a pu regagner son domicile peu de temps après. Une autre personne a également été blessée en tentant de protéger le chef de l'État, mais son état de santé n'a pas encore été précisé. Cet incident a sémé la consternation aux Comores, un pays souvent épargné par de telles attaques violentes. Les autorités promettent de faire toute la lumière sur les circonstances entourant l'attaque et la mort de l'agresseur. Malgré cette agression, le président Azali Assoumani poursuit ses fonctions, tandis que la nation reste en alerte. À l'international, les tensions entre la Russie et le Royaume-Uni atteignent un nouveau sommet après l'expulsion de 6 diplomates britanniques accusés d'espionnage et de sabotage par Moscou. Alors que le conflit en Ukraine se poursuit, les relations diplomatiques entre les deux nations se détériorent rapidement. Suivez les détails. La Russie a pris la décision d'expulser 6 membres du personnel de l'ambassade britannique à Moscou accusés d'espionnage et d'actes de sabotage visant à affaiblir les actions russes en Ukraine. Le Kremlin, par l'intermédiaire de FSB, Service fédéral de sécurité, affirme que les diplomates britanniques collaborent avec des activistes russes pour cerner des divisions au sein de la société, notamment en exploitant des tensions ethniques et migratoires. De plus, selon le FSB, ces diplomates seraient impliqués dans des opérations clandestines déguisées sous des activités diplomatiques certaines impliquant même des membres de leur famille. Moscou n'écarte pas de prendre d'autres mesures et des activités similaires sont découvertes. Londres a rapidement réagi en rejetant ces accusations, affirmant l'expulsion est en fait une répercussion de la réduction des activités diplomatiques russes au Royaume-Uni. Une mesure en vigueur depuis mai dernier, cette expulsion s'inscrit dans un contexte de détérioration croissante des relations diplomatiques entre les deux puissances, exacerbée par les guerres en Ukraine et les sanctions occidentales contre la Russie. La situation semble marquer une nouvelle escalade dans la guerre de l'information entre Moscou et Londres, avec des conséquences potentielles sur la coopération diplomatique à travers l'Europe. À présent, parlons sport dans cette édition. Sous le feu des critiques, notamment en raison de certaines attaques racistes et des performances inégales, Vinicius Junior peut compter sur le soutien indéfectible de son entraîneur Carlo Ancelotti, alors que la concurrence avec Kylian Mbappé s'intensifie au Real Madrid. L'avenir de l'attaquant brésilien suscite des interrogations. Les détails avec Kadiatou Bari. Vinicius Junior traverse une période compliquée, critiquée pour ses performances aussi bien en sélection brésilienne qu'au Real Madrid. Le jeune attaquant de 24 ans doit également faire face à des attaques racistes venues de certains supporters. Mais Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid, n'hésite pas à voler à son secours, insistant sur le fait que les difficultés du Brésil ne dépendent pas uniquement de Vinicius. Nous sommes extrêmement contents de lui, a-t-il affirmé en conférence de presse, témoignant de sa confiance envers son joueur. Malgré un début de saison en demi-teinte, Ancelotti reste optimiste. Il rappelle que Vinicius et Kylian Mbappé ont tous deux manqué la pré-saison et se sont améliorés progressivement en enchaînant les matchs. Cependant, l'arrivée de Mbappé bouleverse l'équilibre au poste d'ailier gauche, poussant certains à spéculer sur un possible départ de Vinicius. D'autant plus que son contrat, bien que courant jusqu'en 2027, n'a toujours pas été prolongé.
Ancelotti lui reste confiant en ses joueurs, affirmant que leur bonheur et leur progression sont évidents à chaque entraînement. Reste à voir si la concurrence interne ne viendra pas compliquer davantage l'avenir de Vinicius au sein des Merengues. À deux jours de leur premier match dans le tournoi UFAO A-U20, le Sili National U20 de Guinée a effectué sa première séance d'entraînement ce vendredi 13 septembre 2024 à Monrovia, au Libéria. L'équipe, sous la direction de l'entraîneur Pascal Barouzakis, se prépare intensivement pour affronter la Sierra Leone ce dimanche. Suivez. Très bien. Je pense qu'il était un peu long quand même. Mais dans l'ensemble, en général, ça s'est bien passé. Et la première séance de ce soir, comment ? Aussi, justement, on a ajusté la séance parce que c'est vrai qu'il y a eu 16h, 17h de bus. Les enfants étaient fatigués, ça se ressent. Et justement, pour avoir du jus pour dimanche, là, la séance était un petit décrassage avec la mobilité, renforcement, footing et taureau qui a pris en gros une heure de temps pour pouvoir avoir un peu plus de jus demain et du jus dimanche. Bien, pour le moment, il n'y a pas de souci majeur. C'est juste, je pense que c'est juste de la fatigue. Sinon, dans l'ensemble, ça va, tout va bien. Fidèles téléspectateurs, je prends fin à cette édition d'information. Tout le plaisir était pour moi de vous servir. Bonne suite de programme sur IBM Soul TV, la chaîne panafricaine. Où que vous soyez, portez-vous bien.